te dit tout à l'heure, tout au début, nous pas assimiler le monde que nous citons là, qui n'a cédé une menace très directe contre le PC à l'opposition, parce que nous voyons l'opposition, il y a des gens sérieux là-dedans, l'opposition politique haïtienne, je veux dire, il y a des professeurs, il y a des étudiants, il y a des juristes, il y a des directeurs d'opinion, il y a des gens valables, et même au niveau de l'OPC, moi-même, en tant que Renaud Ecofil, on a dit que j'ai des chances de parler avec mes directeurs de médias, mes collègues, pendant presque 30 minutes, qui demandaient mes explications sur ça, ma frère, et puis pas d'explication, il dit moi que Renaud, je comprends. Il respecte la position. Pour ça, tout le monde qui ne comprend pas la position. Et c'est fort, regrettable, l'obtention de des gens qui ont dit comme ça. Oh, mais ça, on peut se chercher dans la question de la constitution. Mais c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. On est capable d'agiter des questions de débat sur quel que soit sujet d'actualité. On est capable de décider de parler de la peine, agiter un débat sur la peine de mort. On est capable d'agiter un débat sur le kidnapping. On est capable de décider d'agiter un débat sur la cherté de la vie. C'est notre rôle, c'est notre liberté à nous de le faire. Et ce n'est pas nous-mêmes seulement en tant que protecteurs. C'est chaque monde qui dit nous voit qu'on fait ça. Sans pression d'aucune sorte. Maintenant, en termes de mesures sécuritaires, nous sommes capables de dire que déjà, le cabinet de l'OPC, conduit par un avocat de la place, eh bien déjà déposé plainte formelle, la dénonciation auprès du parquet, auprès de la DCPJ, à l'encontre de deux Mounsao. Et à travers le canal de la presse, nous reprenons que nous apprenons M. Deus Deonet, M. Schiller Ludor, responsable de toute ça qui était capable de river l'institution, soit sous nos calculs, soit sous nos membres personnels. Parce qu'ils ont fait des déclarations publiques qui circulaient. Et au niveau de l'OPC, nous avons déjà déposé en bonne due forme une note, une correspondance de dénonciation pour nous préciser à l'endroit des autorités judiciaires et policières que quel que soit ça qui est arrivé à l'institution, on rendra responsable les sieurs Deus Deonet, peut-être qui besoin visibilité, qui besoin OPC parler de lui, ou bien le sieur Schiller Ludor. Et tous leurs sbires qui sont derrière eux à travers cette campagne qui se fait, nous les considérons comme étant des criminels, des cybercriminels. Normalement, nous n'avons pas voulu détruire Renaud Ecofil, mais nous avons une copie chèque que nous recevons dans mes billets. Et nous avons ce problème, non pas monsieur seulement, pas. Et protecteur citoyen seulement, c'est tout ensemble de cadres en dedans OPCA qui allait dans le même sens avec protecteur citoyen. Nous disons, nous avons des preuves, nous avons des preuves tangibles que monsieur Gonchek, les jeunes dans ce moment-là, qui c'est 2000 euros américains pour préparer et journée jeudi avec demain dans la même activité et réforme constitution ou bien nouvelle constitution. Ça, nous ne pouvons pas parler sans preuve. Si monsieur voulait nous continuer par preuve, nous ne pouvons pas détruire, nous disons monsieur nous avons la chance, je ne veux pas pour faire un retrait. Oui, je suis dans le même sens avec et collègue Deus, je suis dans le même sens avec et frère Nouchiller Ludor. Nous ne pouvons pas frapper monsieur Jean ou frapper là, mais nous disons que monsieur est en complicité avec l'INU qui choisit de supporter Jovenel dans une nouvelle constitution. C'est vrai, pays a besoin de nouvelle constitution, mais avec qui est-ce? Avec mon usurpateur de titre, mon illégal, anticonstitutionnel, est-ce qu'il y a une légitimité population pour faire une nouvelle constitution? On dit oui, pays a besoin, mais pas avec mon Zahou. Même j'ai avec le secteur patronat qui montre les complices dans la situation, et population, nous n'avons pas besoin de parler clair, il y qui ça pour faire pour le patronat de la décision. Très ferme la situation, ils ont fait ça déjà. Ils ont compris qu'ils arrivent là avec méga mouvement, ça a commencé, méga manifestation, le secteur patronal n'est pas loin pour la position. Nous avons dénoncé le secteur universitaire là, tout. Une bonne félicitation pour l'université qui se crée. Nous avons dénoncé le recteur à tout, ensemble avec
l'université qui n'a pas payé pour composition, même gens avec une université de grand université à l'étranger qui ont une décision qui montrait que la situation est très mauvaise en Haïti. Nous venons comprendre pour qui ça, loi ça a été votée et président Jovenel a bloqué loi ça pour que le pas voter dans le Sénat. Nous comprenons, c'est parce que les gagnants support de oligarque. Nous venons comprendre pour qui ça, oligarque, 5% de Mounsaïou, qui contrôlait 95% de richesse pays, pendant tout notre corps social, secteur de corps social l'a dit, mandat Jovenel fini, oligarque continue à supporter. Nous comprenons pour qui raison, depuis président Jovenel monté, pendant que dans la région Caraïbe, la pression fiscale là, il y a entre 16 et 17%, c'est seul en Haïti. Depuis quinquennat, M. Jovenel Moïse, la pression fiscale là, était à seulement 11 et 12%. Nous comprenons pour qui ça, relation M. Jovenel avec oligarque qui a supporté, pour qui ça depuis le monté, c'est toujours oligarque qui recommande le monde qui pour directeur la douane. Nous comprenons pour qui ça, depuis M. Jovenel sous pouvoir, c'est oligarque Sayo qui bénéficiait près de 20 milliards de franchises douanières. Nous comprenons pour qui raison, depuis les M. Jovenel sous pouvoir, et tout récemment là, c'est oligarque qui bénéficiait de un paquet près de 800 hectares de terre d'État. Rajouté à cela, environ 18 millions de dollars américains, c'est oligarque Sayo qui bénéficie. Donc, dans le cas de droit, n'a fait appel avec vigilance pour les Haïtiens pour que l'y comprennent. Même Jean, M. Jovenel Moïse, lycée 11 poissons qui comptait dans le gorge peuple, eh bien, oligarque Sayo tout, il a montré à travers appui. Aveugle, yo bay avec Jovenel Moïse, oligarque sa yo, qui contrôlait 95% richesse paysan, yo même tout, yo montré yo son zo poisson qui coquait dans gorge peuple haïtien. Dans cadre plan Jovenel Moïse pour le Québec pouvoir, au-delà de 7 février 2021, nous allons chercher un monsieur Aurélien, eh bien, Léon Charles, et ce Léon Charles, en 2004, l'a rappelé, combien de fois il était piétiné, violé droit monde. N'a pas noté, il était arrêté un ancien président de l'Assemblée nationale, Yvon Foyer, de famille Lavalas. Il était arrêté Yvon Neptune, qui est un premier ministre. Donc, c'est un monde comme ça, Jovenel Moïse, grillé, et qui n'a pas de droit, qui n'a pas de droit d'entrer en tant que président, parce que c'est un monde qui est dans la diplomatie. Et lors de la diplomatie, pas on cadre en dans la police. Donc, au mépris de la loi sur la police nationale, Jovenel Moïse va chercher un criminel notoire. D'ailleurs, n'a dit si nous pas de système d'impunité en Haïti, Léon Charles Jovenel le dit, il est en prison. Mais c'est bien dommage que nous avons un système d'impunité qui alimente, qui encourage un pile monde. Eh bien, l'un d'eux est à violation de la monde, par exemple, un coup, gentil là, Léon Charles. Et nous, à 7 février 2021, eh bien, pour voir, eh bien, ils font montage côté arrêté. On juge maintenant à la Cour de cassation, le juge de la présidente. Côté arrêté, un pile d'autres monde, dont Mme Gauthier, qui sont médecins. Eh bien, nous voyons que, eh bien, communauté internationale là, les, eh bien, utilise un double langage. Tantôt, il dénonce ce qu'il a fait là, il dénonce l'arrestation qui fait toujours vivre contre la Brésil. Mais en même temps, nous voyons qu'un bel Jovenel Moïse sous pouvoir toujours. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler de complicité de l'international par rapport à ce qui a passé en Haïti. Nous avons indexé cette communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, qui gagnent même dans ce qui a fait en Haïti. Pour gagner un régime putschiste qui prend le pays en otage, qui prend toute institution démocratique en otage, qui prend l'institution policière en otage. Donc c'est ça qui fait que, après toute intervention qui fait là, nous-mêmes nous prenons engagement pour nous continuer à accompagner la population haïtienne
pour faire droit respecter, pour faire article 134.2 respecter et accompagner la population haïtienne dans toute mobilisation qui a entrepris. Et message ça nous lance à tous les secteurs vitaux de la vie nationale pour nous dire la société civile, la jeunesse montante, le secteur universitaire, même gens, nous, universitaires américains, ont fait ça. Et nous dit bravo aux députés européens, bravo avec tous les compatriotes nous, au niveau des communautés diaspora haïtiennes, ça qui est en France, ça qui est au Canada, ça qui est aux États-Unis, et à travers le monde qui embrasse la bataille ça pour nous faire respecter les droits de la population haïtienne. L'article 134.2 met fin au mandat de Jovenel Moïse. Et normalement, Jovenel Moïse avait un mandat de 5 ans pour diriger le pays. Automatiquement que l'article 134.2 précise fin mandat, Jovenel Moïse n'a plus qualité pour siéger dans les locaux du Palais national. Comprenez? Donc, Jovenel Moïse devient un occupant illégal. Et au regard du droit, dès que yon moun occupé yon espace illégalement, l'article 84 du décret du 22 août 1995 vous donne cette prérogative de faire une action en expulsion des lieux. Donc, Kounia, nous-mêmes comme avocat, qui s'en a fait? La sommation a été signifiée. Maintenant, on va initier l'action par devant le tribunal de paix de la juridiction du Palais national. Nous comprenons? Donc, peuple haïtien, m'a tout porté précision ça pour nous, pour nous parler de déguerpissement. On ne peut pas déguerpir Jovenel. Le droit a une terminologie, le droit a un jargon. Donc, expression qui appropriée, hein, c'est une expulsion des lieux. 134.2 dit Jovenel Moïse mandat fini. Jovenel Moïse, t'es président, pas président quoi? Donc, Jovenel Moïse vient de nous occuper illégal. Et sous base à l'article 184, là, article 84, décret 22 août 95 sur l'organisation judiciaire. Donc, nous nous basons sur cet article pour initier notre action en expulsion des lieux contre Jovenel Moïse. Et nous avons un jugement, et pourquoi pas, quand plus de monde a posé la question, comment on va le faire exécuter Jovenel, mettez-le dehors. Mais écoutez, le peuple haïtien est de notre côté. Nous sommes sûrs et certains que, après avoir obtenu ce jugement ordonnant l'expulsion des lieux de Jovenel Moïse, le peuple haïtien, ensemble avec nous, a permis nous à l'exécuter jugement pour expulser Jovenel Moïse dans le palais national parce que il n'y a pas ni droit ni qualité pour siéger dans le palais national encore.